Salut, bonjour, hello. Je viens te parler d'un petit truc, je te propose un petit jeu. Tu mets ton... Vas-y, fais ton peace and love comme ça, et fais ça. Maintenant, on va changer, on va faire comme ça. Tu vois, simple, tu arrives, clac, clac. Fastoche, maintenant, on va juste claquer dans les mains au milieu. Clac, 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 clac. Tu vois, c'est très, très simple. Celui-là, il est très simple. Et ce que j'ai fait, c'est que j'en ai inventé plein, j'en ai créé plein. Je me suis inspiré de ce que j'ai vu. Et j'ai fait toute une série. Et donc, j'en ai fait 7 jeux comme ça que tu peux utiliser. C'est que essentiellement avec les mains. Et ça te fait une sorte de casse-tête pour le cerveau. Donc, c'est très, très bon pour ton cerveau parce que ça te permet de créer plein de connexions neuronales. Ça te permet de lâcher le mental. Ça te permet d'être présent, de travailler sur la concentration. Tu es vraiment focus là quand tu fais ça. C'est cool. De travailler sur aussi toute ta flexibilité des doigts, des mains. Les mains, c'est quoi? C'est magique. Tu fais avec les mains. Le faire. Tout ce que tu as à faire dans la vie. Plus tu vas mettre tes mains en action, plus ça va t'aider. C'est quelque chose que je fais avec plein de gens. Je fais ça avec des personnes âgées, je fais ça avec des enfants, je fais ça dans des réunions très sérieuses, dans des conférences, dans des spectacles, dans les écoles. Je fais ça aussi avec les personnes en situation de handicap, les autistes, etc. Et ça marche avec tout le monde. C'est quelque chose qui tout de suite est entraînant, que les gens ont envie de jouer dans les repas. Et ça me permet en fait de connecter les gens. Moi, ça me permet de mettre un break. Des fois, c'est sur des réunions très chiantes, très longues, où tu vois que tout le monde qui s'endort. Et là, tu dis, attendez, stop, excusez-moi, stop. Est-ce que je peux vous proposer juste un petit truc pour vous réveiller? Allez, venez, on fait ce petit truc. Et tout de suite, les gens, ils commencent. Ah, ça revient, les yeux se réouvrent, le cœur, ils ont envie. Et là, on peut continuer la réunion, c'est vachement plus intéressant. Donc, je te propose 7 jours. Ça prend maximum 6 minutes par jour, littéralement 6 minutes par jour. On fait un petit exercice tous les jours, je t'en apprends 7. C'est des choses que tu vas, une fois que tu les as retenues, déjà toi, ça va te faire du bien. Grave, ça va te permettre d'avoir un dynamisme, tu vas être excité, ça va te mettre en challenge, parce que ce n'est pas toujours facile. Et en plus, tu vas avoir ces petits outils pour pouvoir les diffuser. Donc, je ne sais pas, tu es peut-être prof, tu es peut-être mené à faire des réunions, à faire des conférences, à être devant des gens, dans un groupe, tu es peut-être chauffeur de bus, animateur, animatrice, accompagnatrice, je ne sais pas ce que tu es, mais tu peux les utiliser à tout niveau. Alors après, si tu es aussi le pilier du bar, si tu adores être au bar, moi, je t'assure qu'au bar, je me fais payer beaucoup de coups parce que je fais ces petits jeux comme ça. Les gens aiment bien et en récompense, ils me disent « Ah, merci, ça m'a bien fait rire. Tiens, je te paye un coup. » Donc, c'est cool. Et voilà. Bref, toutes ces petites astuces. J'ai fait une petite formation que tu peux prendre à tout moment. C'est enregistré sur cette plage même en Sardaigne. Donc, tu peux les regarder, les re-regarder, les re-re-re-re-re-re-regarder jusqu'à ce que tu les maîtrises parfaitement. Voilà. Toutes les infos sont en dessous. Il y a un lien. Tu cliques, tu regardes, tu te laisses porter. Tu as accès aussi longtemps que tu as besoin de toutes ces petites formations. Ça te permet, c'est la formation des doigts pour être adroit. Ah, tu vas être très adroit après. Ah, la bonne blague. Voilà, merci. J'espère que tu rejoins. On va se passer de l'autre côté. Tous les jours, il y aura une petite nouvelle formation. Tu peux prendre autant de temps que tu veux. Et merci. À tout de suite. Ciao.